Sur la chaîne Glitch Fun, les potos. Nouveau glitch duplication, low rider, très facile à faire. Il vous faudra être deux par contre. Donc il va vous falloir le bunker, le complexe, le mock, donc c'est le camion mobile, un avenger et un ami. Donc il va vous falloir aussi être en session pour amis. Vous allez dans l'éditeur, vous faites option, vous allez en ligne. Vous allez sur jouer à GTA en ligne et là vous mettrez session pour amis. Dès que vous êtes en session pour amis, votre pote il va vous rejoindre dans la session et vous allez l'inviter dans le complexe. D'accord ? Il va vous falloir acheter des RH8 ou des Fagio et les mettre un peu partout dans vos garages, donc dans tous vos emplacements disponibles. Mais surtout en premier, vous allez le mettre une dans le camion. D'accord ? Vous mettrez un Fagio ou une RH8 dans le camion mobile. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Vous invitez votre pote dans le complexe. Vous achetez le maximum de véhicules, comme ça vous le faites tout d'un coup. Vous pouvez dupliquer en masse. Une fois que vous serez bugué, vous allez pouvoir faire tout ça d'un coup. Tous vos véhicules disponibles. Donc faites ça avec des lowriders, sinon ça ne vous rapportera rien. Donc ça sera des voitures transformées de chez Beniz. Allez les potos, c'est parti. Donc très facile, il n'y a pratiquement pas de timing à faire, vous avez juste à suivre la manip. Vous invitez votre pote dans le complexe, vous êtes en session pour amis. Je vais monter dans l'Avenger et lui va m'attendre côté passager de l'Avenger. Donc les gars, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous sur Facebook. Glitch Fun sur Facebook. On est déjà pas mal. Donc tous les nouveaux, rejoignez-nous les gars. Pour ceux qui manquent ou l'Avenger ou le Mock ou autre chose, vous avez la vidéo du braquage. D'accord, Bogdan. Et vous allez gagner 1 million en 10 minutes. Encore merci à Virus et les potos. Donc Virus, il est en train de créer sa chaîne, il va vous faire des glitches. D'accord. Abonnez-vous à lui. Donc là, vous avez vu, je fais flèche de droite, je vais au custom, je me mets sur préparer et sortir du complexe, d'accord. Je vais faire start X. Donc start et X décalé. Voilà. Donc là, ça va vous faire ça. À ce moment-là, vous allez dire à votre pote de monter dans l'Avenger. Donc sur la map, il va disparaître. Et lui, dès qu'il va s'asseoir, il faudra qu'il ait un écran noir. Dès qu'il a l'écran noir, c'est OK. Ou sinon, vous recommencez la manip. Donc moi, je vais en ligne et je vais aller dans l'éditeur. Allez, une fois que je suis dans l'éditeur, je vais faire PS. Je vais aller dans le chat party. Et je vais le rejoindre à la session pour le rejoindre dans la session où on était tout à l'heure. Donc là, je vais sur Virus. Les gars, Virus, abonnez-vous les potos. Il va faire de bonnes vidéos. Là, vous faites rejoindre session, vous acceptez tous les messages. Donc, là, je suis un petit peu bugué. Je refais PS, je vais vous rejoindre. Là, je suis bugué parce qu'il y a quelqu'un qui est parti du chat parti en même temps. Donc, je vais faire PS là, rejoindre session. C'est nickel. Rejoindre la session, vous acceptez tous les messages. Moi j'ai mis dernière apparition au complexe, d'accord.
Si vous n'avez pas l'appartement dans le complexe, vous mettez apparition, dernière position. Comme ça, vous n'allez pas faire des bornes pour rien. Donc ce bug-là, vous allez le faire qu'une seule fois. Le bug de l'Avenger, ça sera à faire qu'une seule fois. Allez, c'est parti, on nous rejoint. On va maintenant débugger notre ami. Il vous faudra la custom que vous voulez dupliquer. Il faudra qu'elle soit dans le complexe, bien sûr. Le camion mobile, il faudra qu'il ait un garage de fonction derrière. D'accord. Donc c'est dans le module 3. Il ne faudra pas que vous ayez un atelier. Il ne faudra pas que vous ayez le dépôt de véhicules personnels dans le module 3. Peu importe ce qu'il y a dans le module 2, atelier d'armes. C'est bon. Et dans le 3, dépôt de véhicule personnel. Ça nous permettra de rentrer le véhicule dedans. Donc là, si vous avez un véhicule personnel dehors, il vous faudra le rentrer. Il ne vous faut pas de véhicule personnel dehors pendant que vous faites le bug. Donc celui-là, il sort du complexe. Je vais le re-rentrer avant de faire la manipulation numéro 2. Si vous suivez les étapes, les gars, vous allez dupliquer en même temps que moi pendant la vidéo. Vous mettez la vidéo au début pour vous préparer. Préparez surtout votre session et après vous avez juste à faire comme moi. J'ai pas fait de coupure ni de montage. Ce véhicule, vous le rentrez. Mon ami, il est bugué dans l'Avenger. Je vais lancer une mission de Titan. Une fois que je serai dans la mission Titan, lui va faire PS. Il va me rejoindre dans le chat party, rejoindre session. Dès qu'il aura cliqué sur rejoindre session, il aura un message d'alerte. D'accord. Et dès qu'il a ce message d'alerte, il y reste, il me prévient et moi je quitterai la mission de Titan. Donc c'est confirmé en orange. Dès qu'il a ce message noir, il me prévient et moi je vais quitter. Donc là maintenant que je suis dans la mission, je vais lui dire vas-y, rejoins ma mission. Là dans PS, chat party, rejoins session. Message noir, moi je quitte. Je fais rond X. Dès que j'ai apparu, je lui dis c'est bon, valide tous les messages et sort de l'Avenger. Tu vas faire spam X, triangle, il sort de l'Avenger et il nous rejoint. Étape 2, ok. Maintenant, on va faire l'étape qu'on va refaire à chaque fois. Donc, tout ce qu'on vient de faire maintenant, on ne le refait plus. À chaque duplication, on fera comme ça. On va rentrer dans le véhicule, on va laisser démarrer. Dès que votre ami il rentre dans le véhicule, vous vous descendez. Et il faudra qu'il aille au côté conducteur. S'il arrive au côté conducteur, c'est OP. Donc là, vous voyez, là le glitch, il est fait. Et cette manip, vous allez la refaire à chaque duplication. Je peux vous en faire 3. Et vous verrez que c'est très très facile, les gars. Donc là, maintenant, mon ami il va se mettre entre les deux barrières. Bloquer les portières. Il se place bien au milieu. Qu'il soit à peu près à la moitié de la portière. Ça va le faire. Un peu moins que la moitié, c'est au top. Mais à la moitié de la portière, ça va le faire. D'accord. Prenez un peu de temps pour faire ça, c'est le plus important. Sinon, il faudra tout recommencer. Donc là, vous voyez, il est pas mal. D'accord. C'est encore mieux s'il se sert pour être sûr, mais ça va le faire. Encore une fois, les potos, je compte sur vous. Abonnez-vous à sa chaîne que je vous mets dans la description. Virus, on va vous faire de nouvelles vidéos. Donc là, il va bien se placer, les gars. Dès qu'il a la portière à moitié, hop, on va descendre et se téléporter à l'extérieur du véhicule. Donc là il est pas mal, triangle, téléportation, moi j'attends d'être au volant, triangle, téléportation, c'est bon. Donc là pour le premier coup, il va falloir aller chercher le camion. D'accord, là vous avez juste à sortir du complexe, on va aller chercher notre camion mobile et on va le placer devant le complexe. Ça on n'aura pas besoin de le refaire à chaque fois. Donc
Donc là, j'appelle mon camion mobile, hop, et je vais le chercher. Vous pouvez prendre le véhicule de votre pote s'il est là, pas de problème. Vous récupérez votre camion mobile et vous la ramenez pas loin du complexe. Comme ça, dès que vous sortez, vous aurez juste à mettre la duplication dedans. Donc, rappelez-vous, à l'intérieur, j'ai mis un Fadjo. Vous pouvez mettre un RH8 ou un Fadjo. Et à chaque fois, il faudra remettre une RH8 ou un Fadjo. Donc ça sera plaque propre. Vous allez récupérer les plaques de ces véhicules Fadjo ou RH8 et elles se mettront sur votre custom rétro. Allez, c'est parti. Encore merci les potos. On est bientôt à 6000 abonnés. Ça fait trop plaisir. Vous motivez de fou pour vous faire des vidéos. Donc, vérifiez dans mon YouTube. Il y a glitch du braquage avec mode élite, 1 050 000 en 10 minutes. Vous avez aussi des astuces pour avoir des RP facilement. Augmentez vos levels en pas longtemps à 2. Tous les deux, vous montez vos levels en même temps. Utilisez-les. Vous avez aussi la manip pour les petits levels de vous faire monter vos capacités de tir et de force. C'est le coup de la cabine, vous tirez dans la tête, et vous aurez votre capacité de tir qui va augmenter à une vitesse folle. Et ça sert la capacité de tir. Ça vous permet d'avoir beaucoup de munitions et une précision dans le tir. C'est bon, donc là, on va sortir le véhicule qui est dans le camion. D'accord ? Donc là, vous faites demander véhicule personnel, vous rentrez dedans, vous le sortez. C'est maintenant, on va avoir besoin d'un véhicule personnel toujours dehors. Donc, ce véhicule personnel, on va le perdre. C'est pour ça qu'on prend un Fadjo ou une RH8. Dès qu'elle a apparu sur la carte, c'est bon. On n'a plus qu'à rentrer dans le complexe et glitcher. Donc, c'est maintenant qu'on va faire les duplications. Là, mon ami, il est avec le véhicule bugué. Et là, vous voyez, on va être tous les deux sur la cinématique. Allez, c'est parti. Maintenant, on va commencer à dupliquer. Donc, premier coup, je vais aller direct sur la porte. Sortir du complexe et je vais faire X triangle, d'accord, vous le faites X triangle en même temps. D'abord vous allez sur le message sortir du complexe, X triangle en même temps, boum, vous allez sortir, vous allez vous retrouver avec le véhicule dehors. Si vous vous retrouvez à pied, vous rentrez dans le complexe, vous remettez à la porte X triangle. Tant que le véhicule est entre les deux barrières. Donc là, vous voyez, j'ai failli. Au moins, ça vous permet de voir. J'ai juste à re-rentrer et recommencer la manip jusqu'à temps que je sors avec le véhicule. Allez, c'est parti. Donc très facile à faire. Là j'ai fail parce que j'ai fait X et après triangle. Donc, vous appuyez vraiment les deux en même temps, ça marchera à tous les coups. Allez, c'est parti. Donc je vais sur le message X triangle en même temps. Et normalement vous allez voir un peu votre véhicule avant de sortir. Donc, votre pote il peut s'éloigner aussi, ça peut aider. Le tout c'est de sortir avec un véhicule et ça sera une duplication. Bim, ça a marché, nickel. Donc maintenant on va la sauvegarder dans le camion, on va rentrer dans le camion. Et vous verrez.
récupérer, vous n'aurez pas le message camion plein. Et ça va récupérer la plaque du Faggio que j'avais dehors. Nickel. Maintenant je sors, je rappelle un Faggio ou une RH8 et je la re-rentre dans le camion à chaque fois. Maintenant vous allez voir pour le faire à tous les coups, sans vous rebugger quoi que ce soit. Maintenant j'ai juste à dupliquer en masse toutes les places de libre que j'ai dans mon jeu. Je rentre le Faggio et je le ressors. Il me faut un véhicule personnel en extérieur. C'est parti. Une fois que vous avez fait ça, vous rentrez dans le complexe et on va refaire la manip de la portière avec notre ami. Les gars, il est vraiment facile. Truc de fou, très bon glitch. Profitez-en, parlez-en à vos potos. Un petit pouce, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, on descend du véhicule, on le laisse là et on rentre dans le complexe. On va aller au véhicule qu'on veut dupliquer. Donc si vous avez plusieurs voitures que vous voulez en double ou quoi, profitez-en, vous les mettez déjà dans le complexe et vous pourrez changer le véhicule bugué à ce moment-là. Faire une voiture de chaque, si vous voulez vendre vos originales aussi, ça peut être bien. Allez, je retourne moi m'amener les guillemets, je vais faire de l'argent, je vais gagner 950 000 dollars à chaque fois. Je rentre dans le véhicule, mon ami va me rejoindre, je le fais démarrer, dès qu'il rentre, je sors du véhicule. Donc là, bim, vous voyez, il rentre, je sors, il doit passer côté conducteur. S'il n'est pas passé côté conducteur, vous recommencez la manip, vous rentrez dedans et puis il rentre après. Vous montez avec lui, il va se mettre entre les deux barrières vitrées. Et pareil, on va se téléporter pour sortir. Donc après, une fois que la manip elle est faite, vous allez faire un véhicule tous les 2 minutes. Et ça serait bien que vous ayez des Faggio, comme ça vous appelez le mécano rapidement. Parce que le mécano de club de motard est plus rapide. Allez, se place bien pour bloquer la portière, qu'on soit TP à l'extérieur. Allez, là ça va être bon. On va faire triangle. Moi j'attends d'être au volant du véhicule, je vais faire triangle aussi. Je vais aller à la porte du complexe et je vais faire X triangle en même temps. Bim, vous avez vu, on voit le véhicule avant de sortir. Ah, c'est très bon bug, vous êtes sûr d'avoir réussi. Après, peu importe si vous ne voyez pas cette cinématique, tant que vous êtes dehors avec le véhicule, c'est une duplication. Là, mon ami dans le complexe, il a vu le véhicule disparaître. C'est bon, plaque propre et on recommence la manip indéfiniment. Donc là je sors, je demande une RH8 ou un Faggio, je le mets dans le camion, je le ressors avant de rentrer dans le complexe. Et vous voyez comme on est bugué, le camion ne disparaît pas à chaque fois que je rentre dans le complexe. C'est un gain de temps énorme. Et vous aurez juste à faire ça indéfiniment avant que ça soit patché. Les potos, je vous laisse sur la dernière duplication, savourez ça. Un gros merci à vous tous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.